Après les Mariners en Australie, j'étais au bout de l'aventure. J'ai eu des offres, mais c'était juste pour faire des essais. Et je voulais pas recommencer indéfiniment, juste à m'entraîner. J'attendais plus. J'ai même appelé mon entraîneur pour qu'il m'envoie un programme de préparation. J'avais l'impression que j'en faisais pas assez aux Mariners parce que le niveau d'entraînement physique n'était pas celui auquel j'étais habitué. C'est pour ça que j'avais dit à mon coach, tu peux m'envoyer un programme. Je ne fais pas semblant, je sais que sans mes fans, je ne serais pas là où j'en suis. Ok, j'aurais été peut-être aussi bon, mais personne ne saurait qui je suis. Je sais l'apprécier et je sais que pour eux, ça compte de prendre peut-être juste une photo, échanger quelques mots. Parce que juste ça, faire une blague avec quelqu'un, taper dans la main d'un gosse, ça les rend heureux. Et moi, je sais ce que c'est que de regarder quelqu'un et quand tu le regardes vraiment, il est comme ça. Oh mon Dieu. Parce que, par exemple, j'aime jouer au domino en Jamaïque. Et il y a une route qui va à l'aéroport de Kingston. Chaque fois que j'y passais, je voyais des gens jouer au domino. Et un jour, je me suis arrêté, au hasard. Et on s'est mis à jouer au domino avec les gens, boire une bière. Et tout le quartier est venu, qui se demandait mais qui était là. On a joué au domino toute la nuit, on s'est marré, on a discuté. Pour eux, c'était énorme, mais pour moi, j'étais juste moi. J'aime jouer au domino, c'est tout, ça va ensemble. Vous êtes déjà retrouvé sur une piste quand il fait vraiment chaud? Pas de la blague, hein, et ça je l'oublierai jamais. Un de mes souvenirs les plus marrants quand j'étais gamin, j'étais au National Stadium, sur cette piste, pas de pointe, pieds nus. J'étais obligé de marcher comme ça. Tellement c'était chaud, je sautais sans arrêt de la piste à l'herbe. C'est le genre de souvenir qui vous rappelle d'où vous venez. Et ça m'a aidé parce que sans ça, j'aurais jamais été à ce niveau. Ça m'a aidé à me dire ne te fixe pas de limites. Et pour moi, ne pas avoir de limites par rapport à tout ça, c'était le moins que je pouvais faire.